Salut Game One, c'est Jean GB, on se retrouve pour la Paris Games Week 2019, c'est parti. Et on passe un bon moment ensemble dans ma caravane. Est-ce que quand tu dis un bon moment, il y a un lien avec cet objet un peu suspect? Il y a des chaînes, j'en connais. Mais non, mais regarde, c'est un fan qui m'a offert ça. Marcus Le Boulet, je suis connu pour ça. Philippe Cardon, vice-président Europe de l'Ouest et Europe du Sud pour Sony PlayStation. C'est Death Stranding. C'est Kojima, donc c'est forcément étonnant. Mais là, il a poussé l'étonnement très loin. Il faut être patient quand on va commencer à jouer à ce jeu-là. Mais en même temps, on peut être patient parce que les premières heures sont tellement belles et fluides. Et puis après, ça monte en puissance. C'est Death Stranding. À la Paris Games Week aussi, on parle cloud gaming. On a vu le PlayStation Now. Et il y a bien sûr aussi Shadow qui est là avec un stand qui est peut-être largement en avance sur son temps. Shadow, il propose des ordinateurs dans le cloud, donc leur stand aussi. Et Shadow, c'est une entreprise française, et ça, c'est la France qu'on aime. C'est la France qui ose, qui entreprend. Après, est-ce que c'est l'avenir de Paris Games Week, ça? En revanche, on verra. Mais c'est ça quand même sympa. Okay.